Is enlightenment an experience or a non-experience? And in case it is a non-experience, is it the reappearance of the separate self that brings the understanding? Est-ce que l'éveil, enfin l'illumination, est une expérience ou une non-expérience? And can you repeat? And in case it's a non-experience, is it the reappearance of the separate self that brings the understanding? Et si c'est une non-expérience, est-ce que c'est la réapparition d'entités séparées qui en fait une expérience? Enlightenment is not an experience. It L'illumination. is the recognition of the true nature of all experience. L'éveil ou l'illumination n'est pas une expérience, c'est la reconnaissance de la réalité de toute expérience. And enlightenment is veiled by the appearance of the separate self, not revealed by it. L'éveil est voilé par l'apparition de l'entité séparée, mais et non pas révélé par l'apparition de l'entité séparée. I don't see the look of satisfaction on your face. Je ne vois pas la satisfaction sur ton visage. I think I can follow you that it's not an objective experience. Well, if it was an objective experience, do you want to translate that? You can, you cannot. I cannot. No. Je ne crois pas que je puisse suivre le fait que je ne comprends pas que ce soit pas une expérience objective. So, do you understand that all objective experience is limited? Est-ce que tu comprends que toute expérience objective est limitée, Either in time and or space. soit dans le temps et ou dans l'espace? So, if enlightenment were an objective experience, it would be something that appeared and disappeared. Donc, si l'illumination était une expérience objective, ce serait une expérience qui apparaît et qui disparaît. What would it appear to? Ça apparaîtrait à qui? À quoi? That's basically my question. C'est ma question, justement. But it's a non-question because you're presuming that enlightenment is an experience that happens in time. Mais c'est une question qui n'est pas une question, puisque tu présumes que l'éveil est une expérience qui apparaît dans le temps. Sometimes if it's a very cloudy day, Parfois, quand c'est un jour nuageux, it's completely overcast. qu'il n'y a pas de ciel bleu, At a certain moment, there may be a little parting in the clouds, and a little patch of blue appears for a few minutes. parfois, il y a un tout petit endroit dans le ciel qui s'ouvre avec un peu de ciel bleu. And one could legitimately conclude that the blue sky appears at a particular place at a particular time. Et on pourrait, de manière légitime, conclure que le ciel bleu apparaît à un endroit particulier, à un moment particulier. But it's not like that. Mais c'est pas comme ça. The blue sky doesn't appear at a particular place and at a particular time Le in the ciel sky. bleu n'apparaît pas à un certain moment et à un certain endroit dans le ciel. It's actually the clouds that appear at a particular place and a particular time. Ce sont les nuages qui apparaissent à un certain moment et à un certain endroit. The blue sky is in fact always present. Le ciel bleu est toujours présent. So exactly the same. If we think that all there is objective experience, thoughts, feelings, sensations, and perceptions, Si on croit que tout ce qu'il y a, c'est des expériences objectives, des pensées, des ressentis, des perceptions, then every, from time to time, there will be little gaps or pauses between objects. de temps en temps, il va y avoir des petits espaces entre les objets. And we will think, ah, awareness shone for a brief moment between those two thoughts. Et on va penser, ah, la conscience a brillé pendant un moment bref entre ces deux pensées. And we will conclude that awareness is something that comes and goes. Et on conclura que la conscience est quelque chose qui vient et qui va. And we will believe as a result that enlightenment is when awareness finally comes to stay forever. Et on va donc former cette croyance que l'éveil ou l'illumination, c'est quand la conscience arrive et reste pour toujours. But it's not like that. Awareness is like the blue sky.
Mais en fait, c'est la conscience, c'est comme le ciel bleu. It's the thoughts and feelings that come and go. Ce sont les pensées et les ressentis qui vont et qui viennent. Enlightenment is just the recognition that awareness is ever present. L'éveil, c'est la reconnaissance que la conscience est toujours présente. And like the sky, it has no limits. Et que comme le ciel, elle ne connaît aucune limite. It's the clouds that are limited, not the blue patch. Ce sont les nuages qui sont limités, it's our thoughts and feelings that pas are le ciel limited, bleu. Not awareness. Ce sont les pensées, nos ressentis qui sont limités, that pas la conscience. Is called enlightenment. Cette reconnaissance, c'est l'éveil. I have to ponder that, yeah. Je vais y penser. But what is your difficulty with that? Mais quelle est ta difficulté avec ça? At what point during that description did I seem to contradict your experience? À quel moment dans ma description est-ce que j'ai contredit ton expérience? I mean, would you agree, for instance, that thoughts and feelings come and go? Est-ce que tu es d'accord que les pensées et les ressentis vont et viennent? Likewise, sensations and perceptions. Ainsi que les sensations et les perceptions. And would you agree that, let's just call it thoughts and perceptions for the ease of the conversation, would you agree that whatever appears must appear in something or on something? Et est-ce que tu es d'accord de dire que ce qui apparaît, quoi que ce soit, apparaît sur quelque chose et dans quelque chose? You can't have an email without a screen, you can't have the words of a novel without a page, etc. Pas avoir un email sans un écran ou les mots d'un roman sans un livre, etc. So if it is your experience that that thoughts and perceptions are appearing and disappearing all the time. Donc si c'est ton expérience que les pensées et les ressentis apparaissent et disparaissent toujours. What is it that they are appearing and disappearing in or on? Qu'est-ce que c'est sur lequel et dans lequel ils apparaissent et disparaissent. Well, must be awareness, no, not must be. Ça doit être, non, pas doit être. If you are experiencing an email, you are by definition experiencing the screen. Si tu fais l'expérience d'un email, par définition, tu fais l'expérience d'un écran. If you are experiencing the words of a novel, you are by definition experiencing the page. Si tu fais l'expérience des mots dans un roman, tu fais par définition l'expérience de la page. If you are experiencing thoughts and perceptions, you are by definition experiencing. Si tu fais l'expérience de pensée et de perception, par définition, tu fais l'expérience de. A modulation of awareness. No, une modulation de la conscience. No, the thoughts and the feelings are the modulations. Ben non, les pensées et les ressentis, ça sont la modulation. The email is the modulation. Le email, c'est la modulation. Modulation of what? Mais modulation de quoi? Take a thought now, just any thought. Prends une pensée maintenant. Don't need to tell us what it is, or a series of thoughts. Ou une série de pensées. That thought is appearing in something. Cette pensée apparaît dans quelque chose. Yes. Oui. What is that? Qu'est-ce que c'est? It can only be awareness. Ça ne peut être que la conscience. I don't like it can only be. Je n'aime pas le like ça ne peut when être I ask que you, what is your email appearing on? C'est comme and si je te demandais and you say, well, it can only be the screen. C'est comme si je te demande sur quoi apparaît ton email et tu me dis bah ça ne peut être que l'écran. Why are you in doubt Pourquoi about the presence of the screen? Pourquoi doutes-tu de la présence de l'écran? There, because there's still a process of inference when you ask me about the awareness. No. C'est en fait, il y a encore un processus de un raisonnement. You do not infer that the email appears on a screen. If you're experiencing the email, you are experiencing the screen. Tu n'affaires pas la présence de l'écran. Tu fais l'expérience de l'email, tu fais l'expérience de l'écran. The screen has no color of its own.
L'écran n'a pas de couleur propre. So you can't see it in the way you see the email. Donc tu ne peux pas le voir comme tu vois le email. And therefore thought tends to say it's not present. Et c'est pour ça que la pensée a tendance à dire que l'écran n'est pas présent. But it is our experience, not our inference, our experience that thoughts are appearing in something. Mais c'est notre expérience, c'est pas une inférence que notre expérience apparaît dans quelque chose. That something is like the screen, transparent or empty. It cannot be known in the same way that thoughts are known. Ce quelque chose est vide et transparent et ne peut être connu comme les objets sont connus. But we cannot say that it is unknown. Mais on ne peut pas dire que c'est inconnu. Because if it was unknown, it would not be possible to know the thought. Car si c'était inconnu, il ne serait pas possible de connaître la pensée. Just as if the screen was unseen, it wouldn't be able to see, you wouldn't be able to read the email. De la même manière que si tu ne voyais pas l'écran, tu ne pourrais pas lire le email. There is this something, let's call it something, this something in which the thought appears is a unique experience. Ce quelque chose dans lequel apparaît la pensée est une It expérience is the unique. Only experience there is that has no objective or finite qualities. C'est la seule expérience qui soit qui n'est pas de qualité limitée et objective. And that is why the mind, which can only know an object, says it is not present. Et c'est pour ça que le mental, qui ne peut connaître que des objets, conclut que cette expérience n'est pas présente. That is why our culture has almost completely overlooked the reality of awareness. C'est pour ça que notre culture a presque complètement ignoré la présence de la conscience. And conferred the reality of experience onto matter. Et a conféré à la matière la réalité de l'expérience. And why do I always get stuck at that exact same point? Pourquoi est-ce que je suis toujours coincé exactement là, à cet endroit? Because you are expecting awareness to appear with objective qualities, like every other experience you know. Parce que tu as l'attente que la conscience apparaisse comme une expérience objective, tout comme toutes les expériences que tu connais. And your mind is saying, because I cannot see it, or hear it, or feel it, or taste it, because I cannot experience it as an object, it must be absent. Ton mental dit parce que je ne peux pas en faire l'expérience en tant qu'objet, je ne peux pas toucher, goûter, sentir, etc. Ce n'est pas une expérience. But that is in contradiction with your experience. Mais pourtant, ça contredit ton expérience. Which is that your thoughts and feelings do appear in something. Cette expérience te dit que tes pensées, tes ressentis apparaissent dans quelque chose. But that something is not a thing. Mais que cette chose n'est pas une chose. It's why in the Buddhist tradition it is said to be empty or void. C'est pour ça que dans la tradition bouddhiste on dit que c'est un vide ou un. It is not really empty and void. It is full of awareness, but c'est empty pas vide, of objects. C'est plein de conscience, mais c'est vide d'objets. Conventional thinking believes that the objects are full. La pensée and conventionnelle. Consciousness is empty. Croit que les objets sont pleins et que la conscience est vide. That the email is something and the screen is nothing. Que le email c'est quelque chose et l'écran c'est rien. It's the other way round. C'est plutôt le contraire. It is consciousness that is full and the objects that are empty. C'est la conscience qui est pleine et les objets qui sont vides. It is the screen it is full and the email that has no existence of its own. C'est l'écran qui est plein et c'est le email qui n'a pas d'existence propre. The sticking point, I think, for you is the recognition of a non-objective experience. Ce qui coince pour toi, c'est la reconnaissance d'une expérience non-objective. That something without objective qualities is still experienced. Que quelque chose sans qualité objective, que tu fais l'expérience de quelque chose sans qualité objective. But really ponder this conversation. Donc réfléchis profondément à cette conversation.
and see that you are the awareness, the non-objective awareness on which or in which all your experience is playing. Et vois que tu es cette conscience dans laquelle et sur laquelle et dans laquelle les expériences objectives se jouent. It is too close to you to be known as an object. It's too close. You cannot turn around and see it. C'est trop près de toi. Tu peux pas te retourner pour la voir.